Eh ben oui, bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes dans l'épisode suivant, il y a des limites quand même, en gros, juste au moment où on allait recommencer, il s'est mis à pleuvoir, Dortos a dit non, fuck la pluie, on va direction le soleil. Bon, monsieur Triple, je crois que je vais vider un peu ce que j'ai et je vais venir avec toi. Voir où c'est et voir comment on peut faire ça. Clem ? Oui. T'aurais un seau de lave à me prêter ? J'ai des seaux vides à te prêter. J'ai encore trouvé de la lave. Tiens. Ici. Tac, tac, tac. Zut de zut. Bon, j'ai 7 de fer en plus. Hein, hop, on a l'épée en pierre. Hop, elle est où l'épée en fer ? J'ai l'épée en fer. Ah, j'avais mis une épée en fer dans le coffre des achievements. Ah bon ? Oui. C'était pas une épée en diams ? Non, il y a une épée en diams. J'ai vu qu'une épée en diams, moi. Il y a une épée en diams, mais j'avais fait aussi une épée en fer. Merde. Quelqu'un est parti avec ? Nope. Non, je crois pas. Ou alors, à moins que je l'ai pris par erreur. J'ai pas fait gaffe. Il me semblait que j'avais pris que de la pierre pour le moment. C'est pas grave. Hop, je refais des sticks ici. On fait gaffe quand même à. Attends, vous partez les deux là ? Ben, faut quand même que montrer aux viewers où se trouve la base des autres. Et s'il y a un seau de lave disponible, je crois qu'on peut se faire plaisir à ce niveau-là. Foutre le feu ou simplement cramer le totem. Ça brûle la laine ? Très bien. C'est dommage qu'on ait pas de creep. C'est dommage qu'on ait pas de creep dans le coin. Vous auriez pu partir avec de la TNT. Quoi. Ah, c'est ce que je me suis dit, mais là, vu qu'il faisait jour, je farmerai de la TNT plus tard. Alors, le saut, je l'ai. Parce que du coup, je vais rester à l'intérieur. Il y a quoi à faire dans la base, du coup ? Des champs. Tac. La bibliothèque, je dégage. J'ai le seau. Clem, ça te dérange si je prends une des sources de lave que t'as mis là-dessus ? Non, vas-y. Hop, genre toi. Hop là, j'ai pris celle qui est ici au coin. Ouais, ouais. 1, 2, 3. Merde, il débloque. Bloc. Ça, je commence à désespérer. Ok. Triple, tu peux juste me repasser leurs coordonnées ? 1833. 1000 en X ? Ah ouais, ok. Et 833, ok. On passe à là-bas. Pour info, il te faut encore beaucoup d'alu, étain et cuivre ? Il faut encore pas mal, mais le problème c'est que je sais pas pourquoi le panneau solaire il arrive pas à donner assez d'énergie. Oh, et ça veut pas farmer le truc correctement. Ça veut pas compresser les trucs. Peut-être qu'il est placé dans un mauvais endroit. Ah, j'avais placé tout au-dessus. Bon, il y a Clem qui a mis du. Mais peut-être avec les montagnes à gauche et droite. Ça bloque un peu le soleil, la lumière. Mon prélude il est revenu. À leur base. Ok. Bah faut essayer éventuellement de déplacer les machines pour les mettre un peu plus haut ou un truc comme ça. Mais le problème c'est que si elles sont hors de la zone dans laquelle je les ai mises maintenant, ça risque simplement de. Enfin, eux pourront les péter quoi. Sinon, je te prépare une petite tour pour les mettre en hauteur. Ouais, éventuellement. Un peu de miner, je vais m'occuper de ça. Ouais, pas de soucis, t'inquiète. Ils sont tous les trois là. Il manque qui ? Ils m'ont vu, putain. Il manque qui ? Non, rien, ils m'ont pas vu, c'est bon. Des grottes à la con.
On t'a dit 833 leur Z. Ouais. Okay. Comme c'est que là, il y a Dortos qui est juste devant, qui est juste sur le bon côté en fait. Putain, mais c'est pas possible. Comment il arrive à me... Donc je crois que finalement, il t'a vu. Bah, il m'a vu au dernier moment, en fait. J'ai essayé de faire le tour, il m'a vu. Bon, je vais prendre juste Il y a pas un peu de... En fait, on a de quoi enchante bientôt, non ? Bah, si on a de l'opsy, dans le petit coffre qui se trouve à côté, j'ai mis... Une pioche en diams. Faut juste les bouquins. À ce moment-là, on a déjà... on a le... Parce qu'on va dire que j'ai quand même 28 niveaux. Ça peut faire plaisir. Maintenant, fais gaffe. Ouais. Pas que ton stuff enchant tombe entre leurs mains. Ouais. Bon, s'ils viennent jusqu'à moi... C'est qu'ils adorent faire des grands tours. Là, je suis en 1150 en X et 950 en Z. Je pourrais faire la tour. Donc, vaut mieux que je fasse au-dessus de la zone de sécurité, quoi. Ouais, comme ça la zone reste sécure. D'accord. Okay. Parce que si elle est hors des 4 beacons, 4 balises en français, à ce moment-là, le truc, okay, je vois leur base, enfin, je vois leur beacon. Il fait nuit ou jour ? La nuit tombe. Ok, moi bon, je vais aller essayer de farm du creeper. Ok, ah, je les okay, c'est... vois. Des planches. Attends, et leur totem, c'est les blocs là en l'air ? Ouais. Oh putain ! Si j'avais su qu'on pouvait taper aussi haut. Au moins, un totem, ça devait planter dans le sol. Oui, mais je leur ai dit au départ que c'était. C'était vicieux. Bon, ça se fait, mais bon. Parce que là, on aurait mieux fait de mettre de la lave tout autour du totem, ou un truc comme ça. Bah, c'est exactement ça. T'arrives à débrouiller pour aller les voir ? Je suis pas loin, je m'approche, je suis en sneak. Il fait nuit. Je suis la nuit. Allez, viens là, mon petit creeper. Un squelette, je vois leur nom. Faire ça comme ça. Je crois que ici je vais creuser. Hop, ici. Tac. On creuse, on passe en fufu tout en dessous. J'ai droppé un arc. J'ai... Mais bon, il est tout. Enfin, il est. Simplement de le réparer avec d'autres. Ouais, mais bon. Ah, là-bas, il y a deux creepers. Alors, on va essayer de faire en sorte de. On va dire que je préfère les utiliser pour chasser le creeper, là, sur le coup. Là, j'en vois trois. J'en vois trois qui sont là. Donc, je sais pas où est le quatrième. Je sais pas où est le... Il y en a peut-être un en dessous. C'est qui manque ? Là, je vois... Il y a quelqu'un qui arrive. Dortos. Ouais.
Par où? J'arrive. Là où je regarde. T'es où aussi? Je suis en haut. Et il arrive par le mur dans... D'accord, ok. J'arrive. Ah bah non, c'est toi. Tu pourrais t'annoncer quand tu rentres. Espèce d'escroc, va. Alors là, je vois Tortos, ouais. Je vois... J'arrive pas à lire. Orwan et... Et Prélude. Oh. Donc Tutu. D'accord, mais c'est pas Tutu qui serait en expédition, je pense pas. Ouais. Parce qu'elle est plutôt en train de farmer depuis le début, je suis plutôt en train de l'avoir... Enfin, pas de farmer, mais de gérer tout ce qui est craft, etc. Jen, du coup, ouais. Je t'ai fait ta petite tour avec une petite plateforme dessus. Parfait. Alors dessus tu poses le panneau solaire, voilà, le compresseur juste à côté, et tu relis avec le câble qui est entre les deux. D'accord. Attention, faut bien que ce soit du bon côté. Hein. Alors là, je suis juste à côté d'eux. Ah mais oui, mais c'est pour ça que vu le côté que t'as mis, c'est côté montagne aussi. Peut-être pour ça que ça a du mal. Ah mais le problème, c'est que ça suit la direction du soleil. Ouais, bah ça cause la montagne. T'es parti où, Clem? Alors, chercher du bois. Je suis là où t'étais quand on s'est croisé. Ok. Hop, il y a un câble. Ok. Alors, j'ai Prélude qui est genre à 5 blocs de moi. Il a un PC en carton, c'est bon. Tabasse-le. Il a un PC en carton, c'est bon, t'inquiète pas. J'ai Dortos qui se trouve juste à côté aussi. Ah, lui, il a un vrai PC, par contre. Et Erwan qui est pas loin. T'as ton bloc de lave? J'ai mon seau de lave. Oh, essaye de viser les lits, au final. Oh, du fer. Putain. Ah, voilà Tutu, elle était derrière. Ouais, c'est ce qui me semblait que... Tutu est au-dessus de moi. Pourquoi le câble il se relie pas là? Parce que ça doit être du bon côté. Merde, j'ai plus de pioche. Ça c'est con. Bah... Merde. Non, parce qu'en fait, je le mets, il est attaché au compresseur, mais pas au panneau solaire. Parce que tu dois le mettre du bon côté du panneau solaire aussi. Oui, d'accord. Je viens de voir. Essaye pas de t'enfuir. Qu'est-ce que t'as fait, Triple? Ah, bah c'est bon. Ah, bah je sais pas, j'ai des vieux lags. Enfin, des vieux lags, ça met le haute. L'autre a coupé votre connexion, c'est ça, mais le message d'erreur. Le cuivre compressé, je le mets où? Parce que du coup, je l'ai ramassé. Je le mets dans le compresseur. Le quoi? Le cuivre comprimé que j'ai ramassé avec les machines. Le cuivre comprimé, ça tu le gardes, et le cuivre normal, ça tu le mets dans le compresseur sur deux, l'un à côté de l'autre. D'accord. Ok, alors. Attends, y a combien de cuivre comprimé? 10. Ok. Est-ce que tu peux descendre, regarder combien il y a de tin comprimé, compressé. De tin. Ah, je suis en train de stresser comme un bœuf. Ouais, c'est stressant. Hein. Mais là, je suis en fait juste en dessous d'eux. Et j'ai plus de pioche. Donc déjà, ça c'est chiant. C'est pas plutôt de l'étain ou autre chose? Oui, bah, l'étain, c'est du tin. Ah, d'accord, bah, désolé, mon jeu est en anglais. donc, t'en as 8. Ok, alors là, tu peux mettre... 8 lingots d'étain. Ok, alors, là, ce que tu vas faire, tu vas mettre tout l'étain compressé sur un côté, enfin, dans une case, et tu vas mettre tout le cuivre compressé sur la case juste à côté. Dans le compresseur? Dans le compresseur. D'accord. Et là, ça va faire du bronze compressé. Et le bronze compressé va être utilisé pour faire le truc principal de la fusée. Le truc qui coûte ultra cher.
D'accord. Tu veux pas plutôt que je mette aussi un coffre pour que je te mette tout le matos que t'as besoin en haut? Ouais, éventuellement. Tous les minerais en trop. Donc tout ce qui est fer, charbon. Charbon, il faut facilement un stack. D'accord. Ah là, ils sont encore tous les quatre ici. Hein. Et Rowan Jean, juste à côté. Attends, tu sais ce que je vais faire? J'arrive. Je prends juste un stack, je vais les faire attirer. Ok. Je vais essayer de faire une diversion. Non mais attends, j'ai plus de pioche. C'est pas grave. Je sors de mon trou, je récupère du bois, je fais vite une pioche en pierre. Vas-y, le temps que j'arrive. Par contre, il n'y a plus de bois ou pas? Non, on a pas assez de bois. Merde. J'en ai rajouté. Où ça? 30 chaînes dans le... Putain, t'as là. Dans le coffre où il y a les trucs pour la fusée. Ah oui, j'ai vu. Okay. Par où on s... Oh, par contre, ce qui me fait chier, c'est que je suis beaucoup trop près. Oh merde, putain, un creeper. T'as réussi à choper de la poudre à triple? 4. J'en ai 2. Tiens, je te l'en. Ah, attends. Je te l'en. J'ai pas de sable. J'en ai. Le stress. T'as du sable? Ouais, on est sur moi, j'arrive. Ok, ben attends, je vous pique juste un lingot de fer pour faire un briquet. Les canettes de carburant, du coup, je les monte en haut. Canettes de carburant, ouais, tu peux les monter. Hop. En fait, tout ce qui est. 7 min. T'as besoin du verre en fait? Il faut du verre pour faire des glass panels. Une fois que t'as fait les glass panels, à ce moment-là, tu prends un casque en fer. Enfin, tu prends du fer, tu fais un casque en fer. Et tu l'entoures de glass panels. Ça nous fait le casque pour respirer dans. Dans l'espace, ouais. Excusez-moi, hein, chers viewers, je stresse, c'est tout. Je crois que vous le comprenez. En mode panique. Ouais, en mode abstinence. Carrément. Bah oui, madame. Il faut pas paniquer, double négation. Eh ouais, exactement. Non, par contre, ça sert à rien que je m'avance maintenant, je vais me faire griller. Quand on va se déco, donc ou quand je vais me co. Bon, du coup, je te mets un établi en haut. Bon. Du coup, il nous reste quoi là à faire? Là, ce qu'il nous faut, c'est énormément de minerais. Et il faut tout compresser ou presque. Il faut 8 plus 4, 8, 12, 16, ça nous fait 24, plus 3, 27, plus si je ne me trompe pas, plus 3 aussi. Non, plus 4. Pour info, j'ai l'impression que ton panneau solaire a encore un peu de mal. Oui, mais le truc, c'est que je sais pas pourquoi. Bah, en fait, ça fait t'as une barre blanche qui progression 0, après 3, après 0, après 3. Oui, je sais. Alors, il faut 4. Attends, je l'ai foutu bien en hauteur. Plus 8, plus 16, 4, 8, ça fait 12, plus 16, 28. Plus 3, il en faut 31. Il faut 31. 31 fois 2 alus compressés, 2 styles compressés et 2 bronzes compressés. C'est qui aurait un seau d'eau? Ah, le mien il est plein de lave. Moi j'ai un seau, tiens. Derrière toi. Ok. Je vais juste aller chercher de l'opsy. Ouais, par contre, il me faudra de l'eau. C'est où qu'il y a de l'eau? Juste dehors, à l'entrée, t'as un espèce de petit champ de blé. Attention, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous arrivons à la fin de l'épisode. Histoire, moi.
Faut faire un trou pour sortir. Ouais, mais attends, t'as mis la lame. Stop. Faut sortir par au-dessus. Eh ben, en tout cas, nous vous souhaitons à tous et à toutes une très bonne fin de matinée, après-midi, journée, soirée, nuit, quel que soit le moment où vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Bisous.